Oui, bien sûr, nous t'entendons, Sarah. Bonjour. Monsieur, il y a un message. C'est bon. D'accord. La Tunisie, c'est un pays situé au nord de l'Afrique. Il est peuplé de 10 500 000 habitants. Nous habitons Sfax. C'est une ville littorale. Elle est située sur le littoral est de la Tunisie. 500 000 habitants habitent Sfax. Nos écoles font partie de la commune de Sartre-Bedeir. Ils ont bien travaillé cette année, ils ont pris des mesures, ils ont fait beaucoup de travail, mais malheureusement, ils n'ont pas pu participer aujourd'hui à la vidéoconférence. Bon, nous le regrettons, Sarah. Mais bonjour à tous les élèves de ces 6 écoles du district de Sfax à Sfax en Tunisie. Manka, you can speak. Da, oglašamo se iz Slovenije, majhne države, ki leži v srednji Evropi. Država ima 2 milijona prebivalcev. Živimo v Medvodah, 10 km severno od glavnega mesta Ljubljane. Naša šola se imenuje Osnovna šola Preska in jo obiskuje okoli 400 učencev. Bye. Thank you, Manka. You can speak, Johanna. It's your turn. Siamo Valentina, ho 13 anni e vivo in Italia, che ha una popolazione di circa 70 milioni di abitanti. La mia città si chiama Marina di Massa, è situata tra il mare e le montagne, dove ogni anno in estate molti turisti vengono in vacanza. Frequento la scuola secondaria San Lorenzo Milano, che accoglie all'incirca 700 studenti. Grazie mille Valentina. Nous allons maintenant aller à Caluire. Bonjour Caluire. On vous voit en grand. Bonjour Caluire. I put the slide for Caluire. Et nous écoutons la présentation de Caluire. Caluire, allô, allô, c'est à vous. Bonjour, nous sommes des élèves du classe collège Charles-Pénard à Caluire, à côté de Lyon, en France. Hello, we are some people of a class at the Collège Charles-Pénard in Caluire, in France. Vendredi 19 mars, à Mégé-Télère, nous avons mesuré près d'un nombre de 1 mètre et nous avons trouvé 102 cm. On Friday, March 19, at noon, we took the measure of the shadow of our 1 meter ruler. We found 1 meter and 2 centimeters. Au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Merci, Caluire. Félicitations pour cette très bonne présentation avec plusieurs élèves. Bravo Caluire. De Fontenay.
Merci au collège Tiraco de Fontenay-le-Comte pour votre résultat, une mesure parfaite. Fontenay, nous vous écoutons, Fontenay. Nous écoutons Fontenay. Bonjour à tous. Nous sommes les élèves de l'atelier d'astronomie Carrasco. Nous avons entre 12 et 15 ans. Notre collège comporte 600 élèves. Il se trouve à Fontenay-le-Comte, une petite ville de 15 000 habitants dans l'ouest de la France. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Rendez-vous au circuit des deux. Merci à tous les élèves du collège de Tiraco. Merci pour votre présentation. Bien sûr, on espère vous retrouver pour le solstice d'été. Au moins, il va vous dire quelques mots en français. Donc, c'est maintenant la présentation de Florent, qui est tout rouge. Florent, mets-toi là. Regarde. Alors, pardon, il faut que je lui donne le micro. Effectivement, il est tout rouge. Je m'appelle Florent, j'habite à La Française, un petit village de 3000 habitants, situé dans le sud-ouest de la France, un pays de 60 millions d'habitants. Notre collège Antonin Perbosque accueille 400 élèves. Il est situé dans la campagne. Merci et à bientôt. Voilà, c'était notre présentateur. Buenos días a los alumnos de la escuela de Caseros. Paraguay y Bolivia, al Somos alumnos de la escuela primaria número 1345 en el centro de un pequeño pueblo de la Pampa Húmeda, Argentina. Está ubicado sobre un importante ruta nacional, 45 kilómetros, país Rosario. Dado en esta oportunidad, podría participar en la vida de conferencia. Por eso agradecemos a los colegas de nuestro colegio. Gracias, Caseros. Eso fue el texto de Pujato. Eso fue el texto de Pujato. 45, it's a good measure too. 45 degrees. 35 minutes. This is the result from Canada. Je vois que le Canada est arrivé. Je donne la parole à Gisèle, qui doit être là avec Virginie et Anne. Nous avons écrit, en vous attendant, nous avons écrit le résultat de la mesure de Pelleuil au Canada. C'était bon, Sarah, hein, nous avons entendu parfaitement, merci. J'essaye maintenant d'avoir une réponse de Gisèle.